unité d'oncologie et pédiatrie à l'hôpital Aristide de Nantes. 800 alors, nouveaux cas chez les enfants chaque année, dont 20 seulement pris en charge. La situation est-elle alarmante chez les enfants atteints de cancer? Tout à fait, je vais répondre aussi à ça comme ça. Je vais voilà, je vais juste revenir sur les statistiques au Sénégal, plus précisément. Alors, effectivement, la saison, on va considérer qu'elle est alarmante parce que un quart des enfants atteints d'un cancer au Sénégal sont pris en charge. Il est évident que ce n'est pas suffisant et l'objectif, ce serait vraiment de les prendre tous en charge. Seulement, la réalité, la disponibilité des soins, cela font qu'on est obligé d'y aller progressivement. La situation est quand même alarmante parce qu'on sait que ces enfants peuvent guérir. Et c'est toujours très difficile de voir un enfant qui ne va pas s'améliorer parce que les soins sont manquants, les efforts sont très difficiles. Alarmant dans quel cas? Avant ou bien pendant la prise en charge? Parce que tout à l'heure, vous avez souligné que les parents viennent à l'hôpital un peu tard. L'important, je parle de guérison. Je parle de maladies graves, mais curables. Cependant, il faudrait les diagnostiquer rapidement. Il faudrait faire ce qu'on appelle un diagnostic précoce. Donc, c'est alarmant dans la mesure où souvent les enfants n'arrivent pas suffisamment tôt. La plupart n'ont pas accès aux soins parce qu'ils sont trop loin pour différentes raisons, liées à la pauvreté. Mais surtout, les diagnostics sont tardifs. Et plus le diagnostic est tardif, plus les chances sont réduites. Donc, c'est alarmant dans ce sens. Et quels sont les différents cas de cancer? De cancer chez l'enfant. Dans les cancers les plus fréquents chez l'enfant, on va rester dans notre contexte, c'est quand même le lymphe. Le cancer des ganglions. Un cancer qui va se manifester soit au niveau du ventre, par l'augmentation du volume du ventre, soit au niveau du visage, par une tumeur qui va être rapidement progressive, dans la mesure où les cancers des enfants progressent très rapidement. Le cancer du sang, qu'on appelle le leucémie, est un cancer fréquent aussi partout dans le monde, et donc dans notre pays. Et là aussi, c'est un cancer qui va se caractériser par un enfant qui va faire souvent des infections, qui va être très anémié, avoir tendance à avoir des saignements, c'est autant de symptômes qui sont des signes d'appel pour le corps médical colombien. Il faut consulter rapidement. Une simple analyse de sang permet dans la majeure partie des cas de faire des tests. Maintenant, c'est quoi les défis? Les défis, ils sont multiples. Comme toujours dans les pays en développement, les défis sont multiples. Moi, je dirais, c'est d'abord la formation large du personnel à tous les niveaux. Il faudrait que dans les niveaux les plus bas, je dirais jusqu'à la case de santé, qu'il y ait un minimum de symptômes qui permettent d'identifier les enfants qui ont un problème de cancer de façon à raccourcir le délai de consultation. Donc c'est la formation du personnel, c'est la disponibilité aussi du personnel. Cette disponibilité, elle a besoin de se faire à tous les niveaux, et en particulier au niveau des services qui prennent en charge de ces enfants. Et notre grand service, c'est d'essayer d'atteindre les enfants de façon